Dans ce monde où tout va si vite, il en aura fallu des jours pour que la toile s'agite, réagisse sans détour. Ce décalage pose des questions et beaucoup d'entre nous y pensent. La rétention d'informations sonne comme une évidence. Et pendant ce temps-là, la vie se consume. On est impuissant, on y laisse des plumes. Et pendant ce temps-là, la vie se consume. Du côté des puissants, personne n'assume. On jette la pierre à la sécheresse, aux ONG, aux indigènes en détresse, la désinformation pour faire diversion, au profit d'une atroce déforestation. Extinction des espèces, réchauffement climatique, rien n'est revu à la baisse, encore moins la soif de fric. Urbanisation effrénée, trafic de bois industrie, on tue la biodiversité à grand feu et à tout prix. Et pendant ce temps-là, la vie se consume, chaque jour, entre le marteau et l'enclume. Et pendant ce temps-là, la vie se consume, la destruction s'impose dans nos coutumes, dans nos coutumes. Qui vend son poumon vend son âme, il y a toujours un retour de flamme. Changer la donne est un vrai défi, comment le relever l'avenir en sursis? Mobilisation, solidarité, hashtag Pray for Amazonia comme un cri pour l'humanité. Poursuivons ensemble le combat, car il faudra bien plus que des prières. Il faudra penser et agir autrement pour préserver notre terre comme un devoir envers nos enfants. Et malgré tout ça, la vie se consume. On est impuissant, on y laisse des plumes. Et malgré tout ça, la vie se consume. La destruction s'impose dans nos coutumes. La vie se